perspective, l'enregistrement. Ah oui, non, faut pas que je reste sur ce plan-là. Je serais capable de rester en tronche plein écran, le truc pas bon à faire. Je serais capable de me planter. Oula, j'ai déclenché plein de jeux, moi. Ah oui, et puis j'avais des mises à jour aussi qu'il fallait que je teste brièvement. C'est pour ça que j'ai pu le Spelunky proposer. Puis c'est vrai que j'ai fait pas mal de jeux le week-end dernier. Donc du coup, la liste a défilé. Puis tout à Voilà. l'heure, vers 16h30, 17h, je jouerai à Stronghold Legend avec Nayone qui me l'a gentiment offert. Ah, très bien. Bah du coup, pense à diffuser sur ton antenne. Parce que ceux qui souhaitent te voir ou avoir la rediffusion, c'est un très bon réflexe à avoir. Attendez. Je suis en train de me balancer parce que j'essaie de me caler au fond du siège et je suis mal mis. C'est pas cool. J'ai déplacé mon siège tout à l'heure durant la pause déjeuner. J'ai pas l'assise confortable de ce matin. En plus, j'ai changé le drap qui était sous mes fesses pour histoire d'avoir un truc un peu hygiénique. Mais du coup, c'est plus moulé comme j'étais bien ce matin. Oh, Bah, je voilà! pense pas le diffuser en live parce qu'on teste le jeu en fait déjà pour voir si tout fonctionne bien et puis Oui, pour à voir tout à comment l'heure, on joue. Nash. Pardon. Oui. Pardon, je vois que vous m'avez écrit. Attendez. Je reviens ici le temps que mes batteries se. Oui, se rechargent, bien sûr, Olive. Il n'y a pas de souci. Bon retrait, Nash Evan, à tout à l'heure. Une question, oui, par rapport à Ars Fatalis. Eh ben, je sais plus c'était quoi, mais tu as raison, hein, Torota, je te donne entièrement raison. Il est vrai que j'avais pesté hier, le week-end dernier, souvenez-vous, dans Ars Fatalis, sur les Sylphides, là, les chars d'assaut sur pattes, là, en armure, qui sont complètement craqués, parce que, souvenez-vous, je m'étais rendu compte que le sort invisibilité sert strictement à rien, ils vous entendent, ils vous perçoivent quand même. Donc, il s'est fait une joie de me déboîter alors que j'étais invisible, enfin translucide, on va dire. Mais c'est vrai que j'avais une interrogation par rapport à ce jeu, mais il faudra revoir la rediff. Parce que je sais même plus c'était quoi ma question. Et c'est vrai que sur le moment, j'aurais adoré qu'Olive soit là. Mais bon, la vie est ainsi faite, tant pis, c'est pas grave, hein, il n'y a pas mort d'homme, bien évidemment. Mais j'étais assez frustré en me disant mince. Nayonet dit. Ah, Nayonet te dit, Edge, tout à fait, à tout à l'heure, après goûter les tâches ménagères. Ah bah, bon courage pour les tâches Yes. ménagères. Moi, j'en ai toujours une tripotée en retard, c'est un cauchemar. Ah, putain, j'ai fait une viande bêtement. Ah, des cordes, je préfère quand j'ai des bombes. Vous me connaissez. Hop, la Mzelle a sauvé, la Mzelle en détresse. Mais c'est dommage, il y a Poupon qui a fait un passage éclair. Merci à lui, bisous. Mais du coup, je sais pas s'il est totalement guéri de son angine ou pas. Je sais pas si quelqu'un peut répondre à sa place. Parce qu'en plus, je vous avoue honteusement de ne pas flâner en ce moment sur les Discords. Je prends plus le temps d'aller vous voir et j'en suis vraiment navré. Mais j'espère que son angine est derrière lui, à Poupon. Parce que c'est horrible, mais ça peut se traîner pendant des jours et des jours, hein, quand c'est mal entretenu, mal soigné. Mais connaissant Poupon, lui, il fait ce qu'il faut pour. Mais j'aimerais avoir la confirmation que c'est derrière lui. Ah non, mais tu verras mardi, Folif qui tue, là, les chars d'assaut sur pattes. Il y en a un qui m'a fait suer dans la secte pendant une demi-heure. J'avais compris qu'il me fallait, pour aller dans la crypte, qu'il me fallait une fiole de sang. Et je me suis posé la question, mais elles sont où les fioles du sang? J'en avais vu. Merdoum. Et je me suis rappelé que c'était dans la secte de Maboul que j'en avais. Donc j'ai fait face à un de ces loustiques qui m'a pourri la vie pendant une demi-heure de jeu. Mais je pestais véritablement sur le moment. J'étais frustré. J'étais pas content des règles du jeu qui étaient, je trouvais, trop sévères. Et ça a complètement cassé mon rythme, ça m'a bien agacé. Ah non, ton histoire de trois boules de feu dans la tronche, je sais pas comment tu fais. Même en pré-réservant le sort là, des quatre premières touches au clavier, de 1 à 4.
pour les cramer, franchement, je sais pas comment tu fais, moi j'y arrive pas. Ça me rend vraiment fou. Non, bah la bande est là. Attends, est-ce que je peux faire ça? Non, ça marche pas. Merde, je suis un débile. J'ai sauté alors qu'il fallait surtout pas le faire. Bien fait pour ma tronche. J'avais qu'à allumer mon cerveau. Ah bah tiens, il y en a encore un là. Attends, oh, magnifique. Ça m'a débarrassé de l'araignée de mes deux. La clé pourra peut-être servir. Ah bah elle est mal placée la bande, dis donc. Bah alors, vous êtes bien au perché, Mzal. Qu'est-ce que vous faites pas le dos là? Il ne comprend pas. Merde, ah, je pensais que j'avais suffisamment d'espace. Oh là là, je joue super mal, ça y est. Ça va être un festival de mort débile. Ah, Torota, si t'es là, je vais te montrer un sacrifice. Tant pis si je mangue ma partie là, mais au moins je t'aurais montré, regarde. Regarde, Torota, j'ai la blonde et hop, je la dépose sur l'autel. Tu vois, j'ai un cadeau. J'ai un cadeau au hasard. C'est comme ça que ça marche. Là, j'ai les gants d'escalade. Donc je dois pouvoir m'agripper au mur. Normalement. Voilà, j'ai plus besoin d'être sur le bord. Enfin là j'ai juste mal parce que je suis pas au bon endroit, mais... Oui, c'est horrible ce que je viens de faire. Bon, après, comme je reprécise, j'y ai joué sur console, donc sûrement plus facile, je sais pas. Oui, d'accord, Liv, oui. Mais... Non, mais franchement, ça m'a agacé, quoi. J'aurais été au-delà de ma première heure de diffusion du jeu, j'aurais zappé, j'aurais passé un autre jeu tellement que ça m'agaçait. Tu sacrifies des bombes sur les hôtels maintenant. Oui, c'est nouveau, hein. Non, genre, je le fais jamais, mais c'était pour montrer à Torota. Il m'avait posé la question. Essaye le chien, tu auras quelque chose d'assez intéressant. Ah bon? Ah, t'es allé te renseigner sur des trucs que je connais pas. Allez, on l'attend, soyons fous. C'est pas tous les jours, tous les week-ends que j'ai la roue de là. Oh non, j'étais tellement content. Oh, j'ai failli avoir le cadeau. Oh, sympa, 5000 balles. Oh, c'est apprécié. Merci. La 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 la. Si, allez, je vais prendre la pépite. Je me suis. Hein. J'ai plus le temps de baiser l'urne. Ah merde! Oh, c'est dégueulasse! Oh, ce qui vient de m'arriver est abominable. Spécial Halloween, deuxième service. Dark. Ah, alors. Couillonner à gauche ou couillonner à droite? C'est littéralement ça. Ce jeu de la méchanceté. Je sais même pas. Bah oui, je peux plus remonter du coup. Si, je peux faire un saut, mais. Attends, est-ce que ça vaut le coup? J'ai pas l'impression. Je suis pas persuadé que ce soit le bon chemin en plus. C'est horrible. C'est horrible. Et là, j'ai quoi? Ah, si, j'ai peut-être quelque chose. Bon, bah tant pis, je balance une bombe. Voilà. C'est bien. Moi, j'ai fait gicler l'araignée. Ah, bah, ça m'ouvre la voie en dessous. Ah, d'accord. Bah, je me suis fait bluffer par le jeu. Je voyais pas que c'était la limite du Bodelum. Alors, oui, bah, tant qu'à faire, autant récupérer la tunasse. Alors, les murs sont épais ici, mais il y a de l'équipement. Donc, la probabilité que je retrouve des bombes est potentiellement élevée. Non, je vais faire péter comme ça. J'espère que j'ai au moins une caisse qui me propose des bombes. Mon petit sac de 3 bombes, j'ai été dédommagé. Je suis content. Alors, la blonde est là, il y a un piège là. Et je change la voix dans le baba. Oh la vache, les salopards. Il m'oblige à faire usage de bombes à foison. Olive qui tue, comment ça encore, désolé. De pas pouvoir t'aider plus. Non, mais ne sois pas frustré, t'en fais pas, Olive. C'est pas grave. Comme je te disais tout à l'heure, hein, si on prend le cœur léger, il n'y a pas mort d'homme. À part la blonde, là, maintenant, qui est morte. Désolé. Le souffle de ma bombe. C'est une honte, le blondinet, il est mouru. Ah, j'ai assassiné Ken de Barbie. C'est n'importe quoi.
Et je m'échappe, je m'évade. Bon, jolie. Ouverture automatique dure. Merde. Oh. Ah, les chauves-souris. L'ennemi le plus simple et le plus vicieux du jeu, en fait. C'est du pur génie dans la conception des règles. Oh, merdoum, et puis je vais pas pouvoir... Oh, remerdoum, je vais devoir faire usage d'une... Oh non! Le fantôme de Jolo. Et oh, je mets un... Oh, elle a même pas vu qu'il y avait une araignée, disons, j'ai pas des risques. Oh oh. Hop, hop, hop. Honnêtement, j'aurais pu tenter les lingots, mais j'ai eu les chocottes. J'ai eu les chocottes. Eh, pas mal la tunasse pour un premier niveau. 16 000 et des brouettes. Ah, une corégone du lac de Constance. Qu'est-ce que ça fait classe comme nom de poisson? Qu'est-ce que t'as pêché aujourd'hui? Oh, une corégone du lac de Constance. Et le mec vexé qui te répond, et ta sœur? Non. Ah, monsieur le vendeur de bombes, je regrette même de ne pas avoir deux fois 20 000. Dans tous les cas, la peau de vache, elle va me tomber dessus. Merde! Ah, je pensais pas qu'elle allait s'en foutre. Ah, je l'ai mal géré. Je joue mal géant. Wouh! Ça, c'est du saut. Ah bah, génial, y a rien au bout. J'ai nul! Oh! Monsieur Blondinet, vous j'ai reconnu. Bon. Oula! Hop, 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 j'ai failli dévisser une... Oh, génial. Alors, attends, ça se passe comment en bas? Ah, merde, ça se fait que c'est pas cool. Alors, je vais le mettre en bas. Je vais essayer d'explorer un peu en haut, quand même. Si je peux... Non, je peux pas. Oh, la... non, l'araignée, elle va me tomber dessus, vu la config du truc. Sauf si... Voilà. Là, je récupère une petite pépite de mes deux. C'est toujours ce prix. En dessous, c'était intéressant, en dessous ou pas? Ah, trois lingots. Ah, il y a de la tunasse. Allez, je joue une bombe, soyons fous. Soyons fous, parce que ça vaut peut-être le coup. Oui, j'aurais été amené à revenir là, donc c'est débile. Là, j'ai perdu du temps bêtement. Dans la manière dont j'évolue dans les couloirs... de la mise, voilà. Ouais, 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 crevé, plein de déboussiérage. Oui, Olive qui tue, qui est fatigué de sa semaine. Je suis en train de récolter un maximum de ressources pour la prochaine fois. Ah, dans Starbound, t'es dans les étoiles. Ouais. Ouais. Parce que je sais pas quand on va réouvrir le. Oui, le petit serveur. Seb, ouais, le cas, il t'ouvrira le serveur, petit Seb. Ah, la tentation de semer le chaos dans le niveau, elle est grande. Mais il faut que je fasse attention maintenant, faut pas que ce soit systématique parce que j'ai gros à perdre en fait. Bah oui, il y a un marchand. Ouais, puis marchand avec des bombes, donc bon, je vais pas semer le chaos. Ni le chaos, ni la discorde, à moi les bandes. Allez, c'est toujours ça pris. Grande escalade, mais trop cher. Ah, parachute de survie. À 1000, ça vaut le coup. Pour un joker. Non, je suis bête, faut pas que j'y aille, je pourrais pas remonter sans une corde. Ça coûte trop cher du diadème. Ok, la sortie, elle est dégueulasse. Ah bah tiens, il y a un hôtel de... Mais j'ai pas fait gaffe où était la bombe là, j'ai pas le coup d'œil. Pareil, combien qu'elle était au-dessus? Non, je la vois même pas. Aucune idée. On l'entend, mais on la voit. Oh! J'ai deux fois le parachute de secours, dis donc. C'est la première fois que ça m'arrive de cumuler des parachutes de... Ah non, elle est en bas la bombe. Alors attends, je la sauve par le dessus ou par sur le côté? Quelle est la meilleure... Non, ce serait mieux le côté parce que... Alors que j'ai des cordes, mais... Attends, si je me laisse tomber là... Oui, il n'y a pas de danger.
Ah, puis il y a plein de pics. Alors voilà, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Faire gicler les pics. Hop là, attention, là c'est extrêmement vicieux. L'autre évidemment, elle m'attend. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Alors, la blonde, je vais lui dire de se barrer là. Moi, je vais essayer de gérer intelligemment mes jars. Ou pas. Oh, magnifique ce pactole. C'est apprécié. L'araignée, je vais pas du tout l'aimer. Je vais pas du tout l'aimer. Fun Fan dit, on n'avait pas dit qu'on devait à partir de 14h pouvoir terminer sanitarium. Ah si, ah merde. Mais si, mais voilà, c'est là où je disais, il fallait que tu me corriges, Fun Fan. Eh ben, tu veux qu'on démarre sanitarium maintenant? Mais c'est vrai, parce que là, là, t'es censé le finir. Donc, si tu te sens prêt, Fun Fan, tu me le dis, hein. Re-cousin. Et on bascule sur sanitarium, c'est pas grave. Tu sais, c'est mon bouche-trou, le Spell Lucky. C'est vrai, tu vois, je relis pas, je mémorise pas. Si tu veux qu'on termine le jeu, oui. Si on fait une session de 3 heures, ça peut attendre. Ah, je pense qu'en 3h30, 4h, tu le boucles aujourd'hui. Enfin, du moins, je l'espère. J'espère que je me plante pas dans mon évaluation. Toi, tu te sens prêt à faire 3 heures, plus de 3 heures, Fun Fan? Visiblement, tu m'as dit oui, donc... on va faire la transition maintenant, hein. Ouais, ça te dérange pas? Bon, bah alors, c'est mon dernier essai. Prépare ton direct, et puis dès que je meurs, on bascule chez toi, Fun Fan. Alors, pardon, EJ, du coup, t'auras une exclusivité de plus courte que prévu. Ah, mais c'est pas grave, hein. Ça représente pas. Votre truc, hein, franchement. Moi, j'étais là parce que bah, je me suis dit, je vais faire la blague de venir, parce que, bah. T'étais encore dans la vocale, en fait. Oui, c'est sympa. J'ai fait un tue pour le boulet. Merde. Ah, je voulais lancer la statue, mais... Ah bah, je suis mort. Bah, voilà. Nouvelle config montée. Oh, bien, cousin. Bien, bien, bien. C'est bien, tu vas repartir sur une base saine, neuve. Alors, si tu veux qu'on termine le jeu... Ok, j'ai hâte de jouer. Bah, oui, je te souhaite de pouvoir te dégager du temps, cousin. Ah là 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 là. Mais c'est déjà bien que tu aies réussi à remonter ta nouvelle config. C'est cool. Fun Fan DIJ, c'est pas contre toi, c'est juste que le sage a un peu oublié planning. Oui, c'est... Voilà, je mémorise plus, je suis désolé. Je mémorise plus. Ah, mais je comprends. Hein. Franchement, faites votre truc. Hein. Vaut mieux terminer un jeu, voilà, comme ça vous serez tranquille. Surtout que le week-end prochain, je suis pas là, donc... Vaut mieux qu'on le termine. Donc, pardon, c'était une très courte session de... Un quart d'heure. De Spend Lucky avec EJ, merci d'avoir été là dans la vocale jusqu'au bout. Avec plaisir. C'est bien, ça fait tourner les intervenants, puis ça rend plus vivant mon direct, donc j'apprécie que vous êtes évidemment des intervenants de confiance. C'est très agréable, vraiment, c'est très apprécié. Alors, relais de chaîne, Chief and Fan. Ouais, on va finir le sanitarium. J'ai failli dire relais de chaîne à sanitarium, moi. Dans la saisie. Bah, je suis attends, à peine influençable. Sanitarium sur Twitch. Ah, cousin, tu précises, retour vers Windows 10, je boot vraiment Windows 11. Oui, non, je te comprends, moi, je ne supporte pas le 11. Ah, il y en a, il s'appelle Sanitarium sur Twitch ou similaire. Oui, allez, je vais faire un appel à Fun Fan en audio. Merci, Edgeb, bon week-end à toi, joue bien avec Nayonet tout à l'heure. A plus. Yes, bon week-end à vous aussi. Merci. À très très bientôt. Ciao, à la prochaine. Ah, merci tout plein. Adorable, EJ. Le pauvre. Que des faux joies. Au début, il disait jusqu'à 16h et des boîtes et j'ai complètement zappé mes engagements. Pardon, pardon. Alors, Fun Fan, où es-tu? Que je t'ai en vocal. Alors, attendez, j'ai encore petit set par rapport à ce matin et Starbound. Voilà, je me permets de faire un appel à Fun Fan. Et le relais de chaîne va se faire. Merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. Merci pour les relais de chaîne. Merci petit Seb. Entre autres d'avoir été mon partenaire de jeu avec LJ Club ce matin. Merci tout le monde. Donc moi je reviendrai, je pense, aux environs de 18h et on sera les baby peinards. Voilà, voilà. La prochaine fois je viendrai pour LJ qui boude.
Ah, oh, c'était cool, merci tout plein. Allez, on file chez le fan, to the go. Alors, je suis en train de préparer vite les petits trucs que je dois faire, mais... Ouais, et remonter le son de ton micro, je t'entends au fin fond d'une grotte, là. Oui, ça aussi, enfin, j'aurais dû être prêt avant de... Bon, bref, c'est pas très grave. On vous montre les coulisses. C'est pour vous, mais... Bref. Bonjour tout le monde. Alors moi aussi de mon côté, il faut que je gère la fin de mon direct. Il n'y a pas full sur ce jeu, donc apprécie. Ce qui est dommage, parce que c'est vrai que le jeu est intéressant. Il est perturbant, mais dans son intégrité, il est excellent. Il faut l'apprécier dans son intégralité, ce Sanitarium.